On est parti. Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Viala. Jacques Viala, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Pas très exactement. À moitié savoyard, puisque ma femme l'est. Mais moi, je suis avignonnais. Et je suis d'une région où nous avons reçu beaucoup d'immigrés espagnols après la guerre. C'est ce qui m'a donné l'idée de mon dernier livre, en les interrogeant, en leur demandant comment était cette guerre, etc. Mon dernier livre, « A bientôt para la vida », est une histoire d'amour pendant la guerre d'Espagne. Et dans ce livre, j'ai mis tout ce que j'avais de souvenirs d'enfance, de recherches bien sûr historiques. Et j'ai assemblé tout ça dans un roman d'amour et d'action, avec beaucoup d'action et beaucoup d'amour aussi. Avec une fin que j'ai eu du mal à maîtriser, je l'ai recommencé 4 fois. Alors que je croyais, quand je commence un livre, je connais la fin. En fait, je crois la connaître. Celle-là, j'ai fini le livre avec la fin originale. Et puis j'ai recommencé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, récemment, un Espagnol en a fait un synopsis qu'il a envoyé à Pablo Almodovar. Bon, je n'ai pas la réponse du cinéaste, mais c'est encourageant. C'est encourageant parce que quand on écrit un livre dans lequel on met du cœur, du temps, mais du cœur, de l'âme, on a besoin des retours des lecteurs. Là, les retours sur Internet étaient fantastiques, ça fait plaisir, quoi. C'est un vrai grand plaisir. Et c'est le lecteur qui fait l'auteur. C'est le lecteur qui donne la vie à nos héros, et le lecteur, c'est le dieu de l'auteur. C'est à la fois une immense espérance et puis une grande peur aussi, puisque la peur est ombre d'espérance. Alors Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? Oui, après avoir lu un livre du Club des Cinq, j'étais en 6e ou 5e, j'ai eu envie d'écrire une aventure du Club des Cinq. Mes parents m'amenaient, j'étais avignonnais, au Sainte-Marie-de-la-Mer, à côté, où il y avait encore à l'époque beaucoup de blocos construits par les Allemands pendant la guerre. Et donc j'avais commencé à écrire une histoire qui se passait là, dans ces blocos, où ils trouvaient un trésor, etc. Enfin, un petit roman d'enfant, quoi. Je le fais lire juste à ma mère. Et puis ensuite est venue l'adolescence, et là j'ai écrit des poèmes d'amour pour tenter de séduire les filles. Ça a moyennement bien marché. Mais ça ne m'a pas découragé. Ensuite, je me suis retrouvé dans le théâtre à Avignon, et là j'ai écrit des nouvelles, dont certaines ont été lues par des acteurs. Et là, ça a été le début vraiment d'une motivation à l'écriture. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jacques Viala, intitulé « À bientôt para la vida », publié aux éditions Tot. Jacques Viala, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arrivé les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci à vous et à tous les auditeurs qui m'ont écouté jusqu'au bout.